Numéro 1 des ventes sur Amazon, please. C'est vrai, si tu marches sur mon pied, j'écrase ta tête. Point barre. Boom. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Melissa. If it's your first time watching one of my videos, you are most definitely welcome. I am always excited when I am sitting in front of the camera to talk to you guys. So yeah, yesterday we posted a reaction video on the Les Lifeseuses live TV, and yeah, that was the introduction. Okay, so today we are going to do episode 1 of the Lifeseuses. I am so excited. But wait, if you have not yet subscribed to my channel, what are you waiting for? Click on the subscribe button down below and click on the notification as well to be notified whenever I will upload a new video. And please give this video a thumbs up. And let's just jump into the video, guys. See. Emma Lulu, Nathalie, Coco Emilia, So Fatem. The Lifeseuses. Let's see. Okay, Abidjan, Côte d'Ivoire. So this reality TV show is in Abidjan, Abi? Okay. So this is Faye Fatem. Je suis Fatem, Miss Côte d'Ivoire 2018 et j'ai 22 ans. Wait, what? 22 years old? Is a lie, a big lie. This is a fat lie. You put your stop. 22 years old. This girl. This age is kumba. Je suis chef d'entreprise Sui Baby, qui est une marque de vêtements pour enfants. Sui Coquette, qui est un institut de beauté, et Sui Clean, qui est un pressing. Je suis passionnée de mode, d'affaires et de voyage parce que j'aime découvrir et j'aime m'adapter à différentes cultures. Ah, ma belle, moi aussi je n'aime pas, ok? Je déteste qu'on fasse la même chose. So yeah, let's see what they have. Like, the setting and everything is already nice, I like it. Pour ça, je suis capable de bagarrer. She's cute, very beautiful. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 16 ans. En vendant de la lingerie, ce qui m'a permis d'épargner et mettre sur pied une boutique. Attends. Tu vendais de la lingerie et tu as épargné pour mettre en ligne une boutique. Donc, en vendant juste de la lingerie, tu peux réussir à épargner jusqu'à arriver à ce niveau. Faut dire la vérité, pardon. Hey. Miss Côte d'Ivoire a été l'occasion pour moi de mettre sur pied un plus gros business et m'orienter vers une autre activité, la vente de vêtements pour enfants et un institut de beauté. Okay. Espérons bien. I hope that's the truth. Okay, I hope that's the truth because. Le t-shirt. Oui. Non. Non. Taille 38. D'accord. Et si j'ai l'impression que ça taille grand. Ouais, ça taille grand. Je sais que j'ai un très beau fessier, mais. Très beau fessier. Je fais comme ça, comme la boule de couscous. Je décide de créer un salon sur la beauté parce que pour moi, toutes les femmes sont belles, mais. Voilà, certaines ont besoin de mettre en avant leurs différents potentiels. D'où réunir plusieurs acteurs qui bossent dans l'industrie de beauté sur un même salon. C'est l'occasion pour elles voilà, d'accroître tout ce qui est potentiel et beauté. Okay. Et ma lolo. Ça va très bien, merci. Et toi? Je décide de rentrer en contact avec Emma Loès parce que c'est une dame qui est dans le showbiz depuis des années et je pense que son carnet d'adresses pourrait m'être utile concernant mon projet. Alors, c'était pour confirmer avec toi le rendez-vous pour demain.
par rapport au projet dont je t'avais parlé en fait. Je sais pas si tu t'en souviens. Quand Fatem m'appelle pour me parler de son projet, déjà ça me surprend. Mais je me dis que bon, peut-être qu'après le fait d'avoir été Miss et que on sait tous qu'après avoir été Miss, il n'y a plus grand chose à faire, elle voulait peut-être rebondir. Se mettre encore dans le mot, essayer d'être encore dans le game. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas l'écouter, c'est une petite sœur. Ok, ça marche. Je te fais plein de bisous, j'embrasse Kobe, tout le monde, et à demain. Franchement, je ne compte pas me décacasser plus que ça pour aider Fatem, parce que je ne la connais pas plus que ça. Je pense que déjà, lui donner de mon temps, c'est beaucoup. Donc, je vais lui donner de mon temps, je vais l'écouter, je vais lui présenter les personnes qu'il faut pour qu'on puisse aller au bout de ce projet. Mais si elle n'y arrive pas. Si elle n'arrive pas, c'est juste parce qu'elle n'a pas le niveau. Si elle n'arrive pas, c'est juste parce qu'elle n'a pas de niveau. Au bout de ce projet, mais si elle n'y arrive pas, bah. Je suis Emma Loès, voilà, pour les intimes et tout, mais sinon à l'état civil je m'appelle Loès Yedmeli Emmanuela Jésus Grâce Divine et j'ai 34 ans. Oh, her name is Jesus, like. Le chauffeur Michel Adou va revenir chercher. Comme ça, même si je rentre tard, j'aurai au moins mangé. Avec mon pion, tout ça. Elle va venir chercher. Elle est actrice, animatrice télé, radio, voilà. De par mes différents diplômes. Et Emma est aussi entrepreneur. Voilà, donc j'ai 7 entreprises à mon actif. Elle est dans la lecture, elle est and it feels like she is elle so so comfortable in front of the camera, like that is her work. Ça, ça manque pas. Ok, on y va. Je sais qu'autour de moi, on me trouve très courtoise, humble, Emma, joviale, travailleuse. Emma a des défauts, je suis très colérique. En même temps, j'oublie très vite ce qui s'est passé, donc je peux dire aussi que c'est gérable et je ne suis pas ponctuelle. Elle aime la belle vie. Ok, on va rajouter ça aussi. C'est ça. Miss Côte d'Ivoire, voilà. Mon titre là, ça reste à vie. Donc, des fois, quand tu vas faire des courses comme ça, on me reconnaît, ça a mis son devenu pour moi. On a un petit cadeau pour vous. Ah, c'est gentil. Merci pour votre visite. Merci. Ben écoutez, je profite pour voir en même temps. J'aime pas les surprises. Ah, c'est gentil. Qui a dit que les divas sont faciles à gérer? Merci infiniment. Je me considère comme une diva. J'ai été reine de beauté quand même. Et puis avant d'être reine de beauté, toutes les femmes sont des reines, ok? Mais il y a diva et diva. Okay? Et voilà, elle parle au contraire Emma. J'ai aucun rapport, on se connaît pas plus que ça. Empire 17. Aucun. Et voilà, à part le fait que je sais juste qu'elle a été Miss. Donc j'ai pouvait réunir plusieurs acteurs de beauté ou plusieurs personnes qui bossent dans. Et tu as intérêt à bien expliquer. Ce salon permettra à plusieurs jeunes entrepreneurs qui sont dans l'industrie de la beauté de mettre en avant leurs différents produits et mettre aussi en avant. Est-ce que tu as besoin de rappeler à tout le monde que tu es Miss? Nous savons déjà que tu es Miss. Ce que je vais faire, je vais plus développer ça et puis te l'envoyer par mail comme ça, tu pourras mieux apprécier. Mais déjà, tu sers un peu l'idée. Oui, je sens. C'est une bonne idée. Je pense réellement que l'idée de Fatem est tenable dans le sens où c'est du nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Et dans le sens où, faut dire la vérité, le cosmétique. Mais j'espère que Fatem va informer
avoir l'idée de réunir toutes sortes de cosmétiques, que ce soit Coco, Emilia, je sais pas, les mèches, les produits en soi. Très bien qu'elle m'a dit, Donc si effectivement ce projet n'est pas porté par quelqu'un de stable et d'intelligent et surtout de constant, ça risque de faire flop. Mais quand toi tu venais là-bas, tu ne pouvais pas t'apprêter. Tu vas encore aller développer le projet. Bro! Elle est déjà en terre étrangère, donc ça pourrait nous faire peut-être une ouverture pour de l'autre côté. Je n'informe pas Emma que Biscuit sera là parce que je n'ai pas encore de suite. Après, j'essaie de faire un peu le tri concernant. On pourra choisir ensemble les personnes que tu veux. C'est vrai que je suis très occupée avec mes propres affaires, mais Dieu merci, je sais comment je les répartis. Donc, le projet, l'idée est très bonne, mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que pourquoi inviter Nathalie et Coco en sachant que les deux ne s'entendent pas? Je pense que les filles arrivent. Qui est la première? À Thierry, à Abidjan. Regardons, voyons voir, attendons, c'est qui ça? Bye bye! Je l'ai trouvé, elle est trop belle. Je m'appelle Nathalie Koa, j'ai 33 ans, je suis maman d'une fille de 4 ans. Oui, maman, on te connaît, ok, on te connaît. Dans la vie privée. Je suis entrepreneur, j'ai à mon actif 4 sociétés. J'œuvre dans le domaine de la cosmétique. J'œuvre également dans le domaine de l'agriculture. Très ambitieuse. J'ai une société qui fait des marchés publics depuis 2011. Et j'ai récemment créé ma quatrième entreprise qui est Stars Edition, qui fait dans l'édition des livres. J'ai sorti un bouquin en 2016, qu'elle n'a pas été publié. Interdit de parution. J'ai sorti un second ouvrage en 2019. Numéro 1 des ventes sur Amazon, please. Coucou Emilia, coucou Emilia, biscuit de mer. Coucou Emilia, biscuit de mer, je l'aime trop. Je suis Coco Emilia, ou plus connue à l'état civil comme Ilondo Naoui-Modilia. Je suis une jeune maman de 30 ans. Comme elle est belle. Un petit garçon de 12 ans. Please, 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 please. Alors, elle est très... Ouf. Femme elle est trop belle. Modèle photo, influenceuse, je l'aime trop. Coco Emilia, Coco Emilia, biscuit de mer. Ouais, je l'aime trop. Qui me connaissent, qui me regardent à travers les réseaux sociaux et qu'on sort, je resterai quelqu'un de vrai. Coiffeuse, franche, femme d'affaires, assez direct, esthéticienne, tout ça. Quand on me cherche, Wilson. Hyper gentil avec les gens qui sont gentils avec moi. Comme je dis toujours, si c'est tu vrai. Marches si sur tu mon marches pied, sur mon pied, j'écrase ta tête. Point barre. So guys, this was episode 1 of Les Life Series. I enjoyed this show. I can't wait for episode 2 to come out. I just can't wait. This was fun. And I really enjoy watching it. If you enjoy watching this show as well, give this video a thumbs up. And see you in my next video. Bye guys. Love you.